C'est l'histoire de Nordal le Landais. Tonton Nono, Nono le rigolo, Nono le mytho. Tant de surnoms qui décrivent mal le tueur qui a plongé la France dans l'effroi à la fin de l'été 2017. Nordal le Landais, c'est d'abord une photo, un homme dans la foule, un homme en t-shirt et bermuda qui boit et qui s'amuse à une fête de mariage à Pont de Beauvoisin, une commune à la frontière de l'Isère et de la Savoie. Une fête qui vire au cauchemar au beau milieu de la nuit lorsque la petite Maëlys, 8 ans, disparaît. On la cherche dans les bois, dans les rivières. Rapidement, la photo de cette petite jeune fille brune s'affiche partout. Si aujourd'hui nous n'écartons pas la thèse accidentelle, au regard du temps écoulé depuis la disparition de la jeune Maëlys et au regard des moyens malheureusement vainement déployés pour la retrouver, la piste criminelle à ce stade n'est plus écartée. Les gendarmes cherchent, questionnent, interrogent. Très vite, ils tournent leur regard sur Nordal le Landais, l'homme qu'on a vu parler à la fillette, l'homme qui lui a montré des photos de ses chiens sur son téléphone portable pendant que les adultes dansaient, et l'homme surtout qui a subitement disparu au volant de son Audi. Une voiture dont il prend un soin très particulier, le lendemain de la disparition de la petite Maëlys, il va la nettoyer dans une station de lavage pendant plusieurs heures, extérieur, intérieur, le tout sous les caméras de vidéosurveillance. D'autres caméras ont d'ailleurs filmé cette fameuse Audi quelques instants après la disparition de Maëlys. Une voiture qui roule à vive allure, les images ne sont pas très nettes, mais on distingue une silhouette blanche sur le siège passager, une silhouette qui pourrait bien correspondre à Maëlys. Arrêté Nordal nie, les gendarmes vont alors se plonger dans la vie de cet ancien militaire qui s'était engagé dans l'armée à l'âge de 18 ans pour y devenir maître chien. Lui, il avait plutôt tendance à contraindre le chien quand il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Il suspendait, il tenait par le collier, et puis le chien, c'est un collier étrangleur, donc hop, il s'évanouissait. C'est des pratiques qu'on n'admet pas. C'est de la maltraitance, hein, de toute façon. Pour moi, le Nordal Landais, c'était un mauvais qui est passé, et puis c'est tout. Hein. Une vie d'échec, mais surtout une ombre qui plane. Nono le fêtard est aussi capable d'accès de violence. Il consomme haschich et cocaïne à forte dose et harcèle plusieurs de ses ex-compagnes. Il va arriver en face de moi, en forêt. Il n'y a pas de raison de venir ici, donc il vient exprès. À l'heure où je suis seule avec mes chiens, je vais le regarder de face. Je vais attendre, je pensais, mon coup de poing. Et pas du tout, en fait, il va passer froidement. Il ne me regardera pas, il va passer à côté de moi. Et c'est là que justement, en fait, je vais voir une tronçonneuse en sacoche dans le dos. Je suis partie en courant, j'ai eu très peur. Pour moi, c'était quelqu'un qui avait envie de créer de la terreur, une forme de sadisme, à avoir sa proie, en fait. Le Landais dissimule, ment, on le dit homme à femme, mais il fréquente aussi les milieux homosexuels. Les psys qui l'ont expertisé depuis décrivent un homme addict au sexe. Il va finir par avouer, à minima, confondu par une micro-trace de sang de Maëlys que les gendarmes ont découvert en désossant son Audi. Nordal le Landais a indiqué qu'il avait tué Maëlys involontairement, c'est son terme, involontairement, et qu'il s'était débarrassé du corps. Alors oui, il a tué Maëlys simplement en lui mettant une gifle, dit-il. Il conduit ensuite les gendarmes dans un bois, mais dans ce bois, les gendarmes ne vont découvrir que des ossements de la petite fille. Sang-froid, perversité, Nordal le Landais a tué Maëlys dans un parcours criminel commencé quelques mois plus tôt lorsqu'il a éliminé Arthur Noyer, un jeune militaire qu'il avait pris en stop à la sortie d'une boîte de nuit de Chambéry. C'était en avril 2017, 4 mois seulement avant l'enlèvement et le meurtre de Maëlys. Pour ce premier crime, il a été condamné en 2021 à 20 ans de réclusion. Nous, on voulait que la société, que le système, que tout le monde reconnaisse que c'était un meurtre. Que notre fils avait été victime, c'est fait. Alors Nordal le Landais, capable de tuer un jeune homme et une fillette, a-t-il commis d'autres crimes? Depuis 4 ans maintenant, les gendarmes de la cellule Ariane tentent de reconstituer son parcours. Ils examinent d'autres cold cases dans la région, mais aussi partout ailleurs en France, pour essayer de comprendre si derrière Tonton Nono ou Nono le rigolo ne se cachait pas un tueur en série.